et win. Je te dis, frère. Mais ils ont fait des changements là pour avoir commencé en 0-4 et finir en 5-4 entre temps. Non, 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 y a rien qu'à changer. Hein. Ils ont gardé le même roster que. Non, non, ils ont rien changé du tout. Hein. Ok, il faut qu'on les brise. Il faut qu'on les brise. Il faut qu'on brise leur. En fait. Leur momentum. Leur momentum. Leur win streak. Leur win streak, exactement. Il faut qu'on les brise mentalement. Oh ouais, wesh, à chaque gnome. Ça fait longtemps. C'est vrai ça. On a le first pick. On a le first pick, donc du coup ils ont le last et on va first pick H qu'on peut mettre en ADC, qu'on peut mettre en support, qu'on peut même mettre au top, qu'on peut mettre au mid aussi. Il y a les Coréens qui la mettent au mid. Ah bah je pense qu'on va laisser ça à la Corée. Hein. Je bait au cas où il y a des adversaires qui regardent mes rediffs. Parce que c'est vrai que Kenzuke a une H mid les frères. H full AP en plus, je crois. Ouais. H full AP mid. Attention aux adversaires, si jamais vous regardez la rediff. Rel, c'est une bonne réponse en vrai. Je trouve ça trop fort. En fait, Rel, pour moi, c'est mon sponsor, mon support préféré. Jin, c'est fort aussi. Jin, c'est vraiment pas mal. OMG, Nidalee peut-être. Tu sais que Nidalee, ça tapote, hein. Il y en a eu dans des games d'avant, je te jure que les. Alors, c'était en div 2 ou pas qu'il y a deux games? Oui, c'était en div 2. Il y a eu Nidalee? Ouais, c'est le jungle de Lille, comment il s'appelle? Ovzlonski, ouais. Ouais. Ils ont joué Nidalee et ça a win. Et du coup, ça sera une H support avec Varus. Ok. Un petit sourire, Thomas, pour le Varus. On va le voir longtemps, ce Varus. Voilà, on en a marre, je le dis à tout le monde. Il y en a ras le cul de Varus, H, je te jure, mon frère. Grand respect. Hein. Ouais, nous aussi, on en a marre de Varus. Hein. Je crois que mon Néon a grillé. Quoi? On choisit pas les règles, hein. Et ça... Je crois que Lino il en avait marre de Varus aussi. Ouais, et je vais te dire, et ça c'est la dame de ménage. Et je te jure, c'est la dame de ménage, bah oui. Parce que il y a le câble, il est un petit peu tiré. Genre comme si. Je pense qu'elle a dû l'arracher sans le faire exprès. Wesh. Ouais. Tu te rends compte, t'accuses la femme de ménage avant d'accuser tes chats. Non, mais parce que mon bureau était fermé. Et j'ai une longue aventure avec la dame de ménage là. Enfin, une longue aventure. Une longue histoire. Enfin, une longue. Beaucoup de péripéties. Péripéties, voilà. Bon, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard, mais je pense qu'elle a pris sa revanche. Jarvan, il peut aller top, il peut aller. Non, il ira pas support parce que ça sera H. Il va aller jungle, frère. Hein. Ouais, mais il peut aller top ce Jarvan. Il peut y aller. Et Yone, attends, mais Yone, le perso, il a pas été Yone pour eux. Hein. C'est. Mais ça pue des pieds, Yone, frère. Ils ont retiré l'étal tempo. Ils ont changé pas mal de trucs au niveau du crit. Mais. Ça fait longtemps que j'avais pas vu, c'est vrai. Bah ouais, je crois que le perso est actuellement. Ah ouais. Kakatier, ils ont changé quoi? Alors déjà il y a plus l'étal tempo. Alors que le perso. Oui c'est vrai. Oui attends mais c'est vrai qu'il y a plus l'étal tempo. C'est-à-dire même bien joué et tout, c'est jouable. Bah tu joues soit. En fait ça dépend, t'as plusieurs gameplays. Soit tu joues déluge de l'âme, soit tu joues Prezi attaque. Après ou Conqueror parce que quand même à l'époque ça existait pas l'étal tempo frérot. Et les... Je pense pas qu'il le jouera Conqueror. Ah ouais? Parce qu'en fait Yone tu prends des trips qui sont un peu courts aussi non? Après à l'époque où il y avait pas l'étal tempo. Ah moi je me trompe mais Yone il existait pas. Oui mais Yasuo il existait. C'est vrai. il va jouer flit, je pense, prendre des petits trades et tout. Et ramène Yukio, s'il te plaît, Ju. Zama, ça va l'interroger pour voir si c'est lui pour le néon. Ça va l'attraper, ça lui. Ouais, regarde là, tu le vois ou pas? Le câble qui est déchiré. Envoie-moi un lien à Chance de Bi. Attends, je fais un partage. Vas-y, fais un partage. Eh, d'ailleurs, ils ont coupé des couilles ou pas? Ouais, ça y est. Allez, tu perds tes couilles mon gars. T'as pas vu ma story Insta comme il avait la haine? Oh le Karthus, mais attends, t'as pris une photo de ses couilles avant que... Non, j'ai pas pris. Par contre Karthus. Oh Karthus c'est fort. Oui oui oui. Ok. Karthus là ils ont une compo Montpellier qui est vachement agressive. Ils ont une belle compo. Ouais. Ça, tu vois faut le dire. Après nous pour le... Ok Jarvan Orianna c'est très très fort ensemble, c'est un peu sympa un nocturne Orianna sur tier. C'est un bon engage. Et en plus la Orianna de Kenzuke. Hein. En plus, hein. Kenzuke en ce moment il est impérial Starfaller. Je sais pas ce qui lui arrive, mais. T'as vu? Je pense qu'il a été arraché. Ah, il est chaud, juste. Je te jure, il est trop fort. Varus et Dalité, ça peut aller chercher Karthus. Hein. En vrai, notre compo est bien aussi. Tu vois, leur compo fait peur, mais notre compo est vraiment pas déconnante. Cassanté? OMG, Cassanté? Non, pas encore. Mais ça pourrait être Olaf. Oh le Renekton, Renekton! Ça change! Attends, on a déjà vu jouer Renekton ou pas Potence? Non, ok. Il me semble qu'il a fait une game, non? Moi, il me semble qu'il a fait une game aussi de Renekton. Non, je crois que vous l'avez en scrim, les frères. Non, je crois que c'est une exclusive. Oui, en scrim si vous voulez, mais jamais en offi, les gars. Ok, bah en tout cas, je l'ai vu en solo queue. Là c'était il y a quoi? Il y a quelques jours, là, il jouait Renekton en solo queue. Ah, et, oui.
Et frérot, non mais le niveau de Potent, parce que franchement, Potent stream de temps en temps, les gars. Et allez voir ses streams de temps en temps, vraiment, c'est effrayant. Il joue en solo queue, il est contre des challengers 1000 LP, frérot, il les met à poil. Il les met à poil, il leur tapote les fesses. Il a un compte Nofura. C'est quoi le nom du compte? Nofura Potent. Nofura Potent. Ah, voilà. Et dessus, justement, c'est là où je le voyais jouer des games de Horn, de Cassanté, de Renekton aussi, Aatrox et tout. Et il est pas frère, je te jure qu'il est trop fort. Par contre, le match-up Renekton Malphite, je le connais pas, je sais pas. Malphite, c'est une bonne réponse. Après, Renekton a quand même la prio en early. Mais Malphite, c'est bien contre nous dans cette game. Et Jin, t'en penses quoi en vrai? Parce que moi, tu sais, le fait qu'il est que 4. Moi, je veux dire, pour moi, Jin, c'est un peu un sous-ADC par le biais qu'il est que 4 balles. Mais là, avec les buffs qu'il a reçus, les 4 balles suffisent à one-shot un Renekton. Je vais te dire. Là, le Jin, il est fort contre nous. En fait, Jin, c'est pas très fort contre les gros tanks, tu vois. Mais là, on n'a pas de vrai gros tank. Ça veut dire que là, on peut se faire. Si le Jin est devant, il peut two-shot Organa, il peut two-shot Varus, il peut two-shot Ashe, tu vois. Ouais, tout, hein. En vrai, tout, je pense. S'il a la dernière balle, je pense qu'il peut two-shot n'importe qui presque s'il est feed. C'est ça le problème. Donc, il va falloir bien faire attention. Surtout qu'ils ont beaucoup de dégâts. Jin, Yone, Karthus, ça coin, frérot. Oh là là. Avec Rel Malphite et tout, tu vois. Il y a vraiment de quoi. Par contre, tu m'arrêtes si je me trompe, Acha. Mais ils ont une compo marche avant. Ils peuvent pas faire marche arrière, ces gens-là. Ouais. Ils ont vraiment une compo marche avant, sa grand-mère la pute. C'est-à-dire que si jamais ils nous foncent dessus, là t'as vu, on se bat contre Sean Strickland. Je sais pas si t'as la rêve, toi, Kada. J'ai pas, frère. Mais okay. C'est du catch. Personne n'a la rêve dans ce chat. Je te jure, c'est un baiser de nous sortir. S'il te plaît. Et sérieux, c'est le champion du monde de la WWE, frère. C'était pas Roman Reigns, en même temps, c'est Cody Rhodes. Ben, c'était avant Roman Reigns. Avant Roman Reigns, c'était Strickland. Oh, c'est l'ancien. C'est exactement. Et Roman Reigns, il a battu Strickland. Et donc, du coup, il est venu. Et Roman Reigns, il est devenu champion. Il est battu les deux compos, c'est comme ça. Les deux compos, c'est très, très all-in. Dans un match Hell in a Cell. Nous, non. Qu'est-ce que t'as dit? On a du disengage, on a de quoi repartir si ça se passe mal, non? Ouais, après, c'est dur. Hein. Contre Karthus, Malphite, Yone, avec notre botlane et notre mid qui sont immobiles, là, si on est derrière, on va se faire one-tap, quoi. Il faut qu'Oriana soit bien dans la game. Comme leur Karthus, faut qu'il soit un peu près bien dans la game. Après, Karthus, le problème, c'est que ça AFK farm, ça met des ulti à. Dans mon ouais, livre, mais... c'est une drop deep de notre part. C'est le genre de game qui reste effrayant jusqu'à la fin. Parce ouais. que suffit d'un moment d'inattention. Je sais pas si vous vous souvenez la game contre Malphite qu'on avait failli perdre. Ah oui. 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 C'est exactement le même genre de game. On joue double range bot, mid immobile. Regardez, il cherche ses couilles. Il se dit, bah attends, mais. Hier, elle était là. Mais il y avait d'autres caries. Tu perds tes couilles, mon gars. regardez, hop, j'ai fait mes scènes. Non, mais frère, t'as vu ou pas? Mais c'est dingue, Zar, je viens de toi. Zar, voilà, t'as travaillé. T'as vu? Regarde, j'ai même une scène Valo si jamais. Imagine là, boum, on va sur Valo. Hop, j'ai une scène Valo. Ok, mais qui l'a fait pour toi, ça? Voilà, c'est moi, je l'ai fait tout seul. Bah, Zar, t'as vu? Il était temps après 3 ans d'e-sport. Dans la première année, j'avais des scènes. La première année, j'en avais des scènes. J'en avais. Ok, putain. Bon, mesdames et messieurs, Job Life Montpellier, c'est parti. Acha, c'est quoi un petit peu nos win conditions? C'est quoi un petit peu les trucs, les actes sur lesquels on va faire attention, tout ça? On va jouer autour du bot. Le but, c'est que notre botlane soit devant. Et ouais. Derrière, on encule les tours une par une. Genre, vraiment, ça va être ça. Ok. On est très fort pour catch des gens. Et les teamfights 5v5 soient un peu plus flippants. Et juste, tu peux me ramener un petit frappé, s'il te plaît, Jus. Un petit frappé. Je dis pas non. Je dis pas non, s'il te plaît. Voilà. Du coup, c'est bien Yone Fleet. Et là, par contre, le Karthus, c'est chiant. Il joue First Strike. Et pour le proc avec Karthus, qu'est-ce que c'est facile cette merde. Donc bon. Et par contre, là, je vous déluge de l'âme. En vrai, la botlane, là, on est bien agressif. Si on arrive à prendre l'ascendant dès le début, normalement, la phase de lane, c'est pépère. Oh, et on punit Karthus directement de bleu, je crois. On va aller faire, il va aller faire les loups d'abord, Karim. Mais attends, en plus on n'est pas vu, hein, ouais. C'est bien. Karthus sans bleu, c'est chiant, hein. Ouais, pour clear, c'est relou. Mais est-ce qu'il va pas aller chercher le nôtre? Là, on essaye de faire ça justement. On essaye de le forcer à split la map en deux. Pour l'empêcher de jouer du bot. Ouais, comme ça, donc le dive bot et tout. Il peut pas aider sa bot lane. Karim, il va pas aller contester le son bleu. Il va le laisser, ouais. On en a rien à foutre, ouais, c'est ça, c'est l'objectif. Renekton Malphite, on s'en fout qu'il y ait un Karthus en plus. En gros, les gars, au lieu. Mais attends, je vais en profiter pour retirer ça. Mais au lieu que la map elle soit split dans ce sens-là, en fait, Karim il vient de la split dans ce sens-là. C'est-à-dire que exactement. Karthus il va aller faire ça et après il va aller faire ça. Et il pourra jouer que top. Et c'est bien ça. Et s'il veut venir pour essayer de compter son bot side, déjà, un, il est plus là. Et deux, bah, il peut se faire tuer. Et Karthus c'est assez faible en early, surtout quand il joue pas exhaust. Genre, en fait, Karthus t'évite de l'invade quand il joue exhaust parce qu'il peut te tuer facilement. Et là, la réaction de Joko. Elle est intelligente parce qu'en gros il sait qu'on va dive bot. Du coup il back après 3 camps, même s'il a moins de farm, il est là pour counter le dive au bot.
Ah, mais c'est une bonne lecture. Ils sacrifient son clair du coup, non? Ouais. Ouais, mais si on dive pas bot, on est trop gagnant. Si on dive pas, il est baisé. Voilà, c'est ça. Oh Karim, le mastermind, il a lu. Oh, il a lu. Oh là là, mais attends, mais il a counter. Ouais. Oh non, il va, oh, il va au bleu. Mon crâne. Et il clear en diagonale. Oh là là là. Alors là, non, du coup. Bleu. Là, du coup, il y a une counter de la counter lecture. Comment ça? Parce que là, nous, on croit qu'il était là, le Karthus, qui était dans notre jungle. Du coup, on s'est dit, on va se le faire, ok, là, j'ai capté. Faut faire gaffe. Donc là, il y a un counter du counter de... Ouah, c'est fou. Et attends, par contre, là, on va peut-être se faire gank. Là, c'est dangereux. Karthus. Après, Karthus, level 3. Les frères, on est niveau 3. On est niveau 3. De la wave. Attends, par contre, là. C'est là où ça devient dangereux. Non. Il joue vraiment bien en face. Si. Non. Ils sont niveau 1 et 2 après, hein, mais. Okay. On le sacrifie, c'est pas grave. Oh non, il y a Yone aussi. Ouais, Yone est descendaire. Ouais, ça va, il y a le flash, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Rel qui prend le kill. Les mecs, si on me demande. Merlich. Mais en fait, on a tellement mis dans la merde Karthus que je sais pas si c'est pas worse. En fait, le truc, c'est que là, on aurait pu s'en douter. Au moment où on a vu qu'il était pas au bleu, on aurait dû dire à notre botlane de faire attention. Donc, il y a eu sûrement un miscom là-dessus. Zuke, comme d'hab, en détente. Phase de lane, elle est pas très drôle dans les premiers niveaux. Ok, bon. Dommage. Attends, mais regarde là, tu vois, ils étaient tous les deux niveau 1 et 2, tu vois, c'était pas... On se disait c'était pas risqué, en fait, de rester là. Mais là, le fait qu'il y ait Joko... Il prend l'aggro, en fait, surtout. Il a l'aggro de la tour, le bon vieux petit Honor. Ah ouais, il a pris un coup de tour. J'aime pas. Ouais, il avait l'aggro de la tour. Parce qu'en fait, ils ont pas trop de dégâts. Attention, Karim KT... Tu vas essayer de tabasser Joko, ça sera même plus compliqué quand même. On n'a pas encore beaucoup de dégâts, mais on va récupérer les loups. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on va lui casser les couilles à ce Karthus et on va delay son niveau 6. Parce que, en fait, Karthus, ça farm très vite. Tu vois? Oh, c'est pas terrible. Mais attends, mais. C'est risqué ça quand même. Ouais, on perd le flash là-dessus. Ah bon, oui, mais on empêche de jouer. On empêche de jouer parce que là, il a plus de mana. Il a plus de mana, il va pas farm le camp. Donc c'est très bien, c'est un autre avantage. Et pendant ce temps, au bot, on leur met des bons petits dégâts. Là, on lui deny beaucoup d'XP au Karthus, hein. Mais Varus, c'est quoi ce skin de Golemon? Je le reconnais pas. Oh, on va dive, attention. Il faut attendre. On a pas eu le bon timing, malheureusement. Pour Karim KT. Ok. Et là, Karim, il a plus de flash, mais normalement, il devrait s'en sortir. Il va récupérer son combo dans pas longtemps. Il y a l'honneur qui est là pour le sauver. Et Karim qui va se sortir comme un petit. Comme une petite princesse. Comme la petite princesse qu'il est, Karim KT. Masterclass, ok. Mais ça va, on conteste de l'XP et on perd rien en retour, non? Bon, on perd peut-être le flash sur Karim et Kenzuke. Ça, attention, pour le flash sur Rena, il est très très important de base. Le fait qu'on l'ait plus, ça le rend très vulnérable. Oh, le Karthus. Oh, vous le voyez ou pas, ce Karthus, frère? Je suis content que le Karthus soit pas en avance d'XP. C'est une bonne chose, on l'a bien deny pour l'instant. Oui. Là, ok, le Karthus fait un timing back. De toute façon, il a plus de mana, il a plus d'HP, il peut pas faire grand chose. On peut pas la dive cette réelle, non? Ah non, c'est dur. En plus, il y a Jhin qui arrive. Wesh, il fait nuit. Vous avez vu? Comment ça? La luminosité, elle est baissée. Je sais pas, j'ai pas vu, mais moi, je vois juste comment Varus H, c'est une botlane de harceleur, frère. C'est injouable. T'as vu le pot qui se prenne ou pas? Ouais. Oh, Camara qui décale au mid, s'il va se passer quelque chose. Kenzuke, il est niveau 6, qu'on peut aller jouer les Void Grubs peut-être. On prend le Carapateur pour Karim. 15 CS d'avance au top, hein. 15 CS. Allez, on va avoir la vision sur le Karthus grâce à Kenzuke, c'est bien joué. Et on va prendre les 3 premiers Void. Ah, déjà niveau 6 sur Potent, ah ouais, ils sont déjà niveau. Ok, d'accord. C'est que là, le Malphite, il pouvait rien faire, il est plus de mana, il est plus rien du tout, il pouvait juste back. Et par contre, ce Drake Infernal, si on arrive à l'avoir, c'est très très fort, hein. Les stats qu'il donne, c'est pas négligeable. Si on arrive tiens, à Je stresse. Ouais, et... 105 victoires d'affilée. Non, je stresse, je sais pas, frère, j'ai... Bah alors, compo, ouais, elle est stressante, en vrai. Ouais. Elle m'a fait peur. Elle fait peur, la game, hein. C'est vrai, ça c'est volontaire qu'on laisse un seul Void ou pas, Hacha? Je viens de voir, on en a pris deux, on s'est barré. Oui, bah il l'aurait pas fait sinon. Non mais genre dans le sens que j'ai dit volontaire, c'est est-ce qu'on avait peur que ça décale sur nous ou est-ce que c'est... Non, c'est... De... On le laisse personnellement. Ok. On a des infos sur le bot side, on a vu que le bleu est up, on essaie de faire le dragon pour Joko, mais c'est vu. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui. Karim en parallèle, il va aller chercher le top side du Karthus. En fait, il faut vraiment qu'on soit le plus en avance possible parce que les phases de teamfight... En fait, si on n'a pas de quoi les recevoir... Ouais, il faut vraiment qu'on ait de quoi les tanker en fait.
il faut qu'on survive à leur qu'on survive à leur, leur premier assaut. Comme ça après ils seront un poil devant nous et à Capron on puisse les punir et les tuer quoi. Mais leur premier assaut il est dur hein, à encaisser. C'est ça le truc en fait. Ah oui. Tu imagines, je prends ulti réel, ulti Malphite et par-dessus t'as l'ulti Yone qui arrive. Ouais. Et si t'arrives à survivre un HP, hop, Karthus il vient, il te finit. C'est ça. En vrai, ce qui faisait le plus peur, c'est que le Karthus soit bien dans la game. Moi, je suis un peu serein là du coup. Ok, cool. Ça me fait, ça me fait bien t'entendre dire ça. C'est rare, hein. Enfin, et au top, j'ai l'impression que c'est vraiment détente. C'est-à-dire que ça prend le phare, mais ça se regarde dans le blanc des yeux sans faire grand chose. S'il est M2CS d'avance. Au bot, on gagne. Au top, on gagne. Bon, en mid, c'est un petit peu even. De toute façon, tant qu'on meurt pas au mid, tout va bien. Je te dis la vérité. Lauriana, tant qu'elle a des CS et de l'XP, elle sera activée avec sa shockwave, donc on s'en fout. En plus, ça va faire. Là, t'as vu que tu disais comment on va survivre à ce burst côté, du côté de MH. Ouais. Bah là, si on a le l'archange, ça, on a le shield qui proc. Bah, pourquoi l'ulti là ? L'ulti pour, former les golds ? Pour first strike ? Ouais, ouais, il minait juste des thunes. Ça lui a rapporté combien là sur 5 personnes ? 30. C'est tout ? Je crois ça proc que sur une personne, je crois. Ouais. Je crois que t'as 15 natifs, je sais plus combien de golds natifs et après t'as. Plus que 30 hein, je pense, mais pas énormément non plus. Attention parce que là j'ai l'impression qu'on veut dive, mais il y a Karthus qui est pas loin. Il y a Karthus qui est pas loin. Ah, ça fait peur, tu vois, c'est ces timings là où j'aime après, pas Karthus, parce qu'avec son ball il slow. Kenzuke arrive. Kenzuke arrive, il a sa shockwave qui est up. Mais on est vu hein. On veut juste prendre des plates, on est très content avec les plates là. Ok, cool. Et la petite plate, let's go. Ouais, ça fait peur, fait peur. Les games comme ça, du début jusqu'à la fin, on va stresser. Hein. En fait, c'est les games, un peu comme, comme ce qui s'est passé à la dernière game, ça veut dire que au début, c'est toujours calme, tu vois. C'est calme et d'un coup, bam, ça va accélérer, frère, ça va être bizarre. Le calme avant la tempête. Ouais, c'est vraiment tout le temps, et je déteste ça. Tu vois, je préfère les games où ça se bat en early, on voit un petit peu qui est qui, on monte en pression direct, cousin, alors que là, c'est t'es là, il se passe rien et d'un coup, frère. Allez, faut le cancel, il a plus de mana, excellent. Oui. Qui va toucher. Oh non, mort, flèche, sérieux caméra, ok, on va récupérer le kill, Avec le petit drapeau de Jarvan, et c'est peut-être pas terminé. Est-ce qu'on peut pas même aller récupérer cette rail? Ça fait, c'est dur à dive une rail. Ouais, on a plus de CD, on va juste reculer, et c'est bien. Un petit kill sur Karim, on aurait préféré qu'il soit sur Sileim, mais au moins le kill est récupéré. On prend la plate, hein, non? Avant de back, ouais. Oh, Poten, s'il te plaît, quand la caméra. Ouais, parce mais que attention, ça a attention. Le de Joko, hein. Attention, c'est un petit peu compliqué. Il y a l'ultime Malphite qui va être claqué. Peut-être qu'il a son flash, mais est-ce que ça va suffire? Il y aura le flash in aussi de Joko. Oui. Il a le Q-spell qui va le faire beaucoup régénérer. Hein. Dommage. Ok, pendant ce temps au mid, Karim, il a encore son drapeau. L'ulti, malheureusement, qui sera flash out par Hydra. On prend la tour au bot, pendant ce temps-là, l'ulti va toucher, on force la clean, c'est on sécurise la tour. Attention, et on va attention le flash in de cette rail. Il faut qu'Honor arrive à temps pour Sileim, mais Sileim malheureusement qui va se faire toucher par cette balle de Jhin. Et là, Honor qui est dans une position un petit peu compliquée, la rail qui va pas le lâcher, qui va récupérer ce CD et qui va le restun. Et malheureusement, Honor qui va tomber. Non, Honor qui va tomber, c'est un petit peu dur. Par contre, Potent. Il a pas d'ulti, hein. Il a pas d'ulti, hein. Ouais, c'est vrai qu'on a tapé cette somme sur le fight là, on aurait pu tempo l'arrivée de Potent avec la TP. T'as vu, tu parlais de l'accélération, hein. On était en 0-1 depuis 10 minutes de jeu, et là il y a eu 4 éliminations en l'espace d'une minute. Bon, c'est chiant, peut-être qu'ils gardent leur suboder pour la game de samedi contre DVM. T'as un chien. Tu vois. Non, j'avoue que c'est bizarre qu'il se passe comme ça, je sais pas pourquoi, mais. Bref, attention parce que Karthus il prend un kill là-dessus, hein, et on le dit, on veut pas qu'il soit devant, et là il commence à rattraper en termes de farm, en termes d'XP et surtout en termes de gold. Il sécurise le Liandry, et là dès qu'il aura Liandry plus Black Torch. Oh. Ça va être chiant. Est-ce qu'on veut faire le dernier Void Grubs? Non, sachant non. Que dans tous les cas, on n'aura pas les 4. Ouais. Attention quand même, parce que la 2 kills sur Jhin, et vraiment Jhin, on le sait que c'est une menace. Jhin, s'il est devant, il aura vraiment de quoi nous atomiser, tu vois. Pour te rassurer, regarde les golds, regarde les CS d'avance, regarde les tours d'avance, les plates d'avance. On est toujours devant au gold, hein. On n'est pas dans une situation dramatique là. Donc tout va bien. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire.
En ce temps-là, on est en train de contrôler leur top side. Pourtant, il y a le Drake qui spawn, Drake Extech. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on va essayer de gratter les plates dans les. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. J'aime pas. J'aime pas ce que je vois. Après, attention, parce que là, Karim il arrive. Non, Karim il arrive pas. Le problème, c'est que là, Karim et Kanzuki sont en train de revenir. Ils sont en train de repartir. Ok, bon, après, on va repartir aussi. On va reculer tranquillement. Est-ce qu'on peut pas aller chercher ce petit dragon là, chercher ce fight top side? Ce qui me fait un peu peur, ce fight, pour être honnête. On a le percepteur sur Jin en plus. Karim qui prend l'information, prend de la data dans la jungle. Oh, j'ai cru c'était un dash. Attention, 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 attention. Karim, malheureusement, qui a plus grand chose. Qui a plus grand chose pour sortir. Il va essayer de trade kill, il pourra pas, Karim. On était là, on est parti. C'est ambitieux pour un raid, tu vois. On prend beaucoup de plate en échange au top. Ouais. Je pense s'il y avait une shockwave de Rana, on aurait peut-être pu trade kill sur le Karthus. Karthus qui prend le kill en plus d'ailleurs. Les gars, on a dit laissez cook cette bot lane. Ouais, non, t'inquiète, scale, de toute façon. Ah, troisième, tu vois là, là ça commence à être inquiétant. En fait, c'est pas. C'est juste ce qui va être chiant, c'est les R de Karthus là, parce que tu vas les sentir passer. Tout à l'heure, c'était juste pour farm des golds, là ça va être pour poke et pour essayer de finir des gens. On a la compo pour le chercher ce Karthus dans tous les cas. Attention quand même parce que là là ça c'est en train de tu vois, faut pas que la game nous échappe hein. Ça sort un peu de notre contrôle là en vrai. Ouais, et on le rappelle Montpellier qu'ils sont en 5-4 mais ils sont en 5-0 sur les 5 dernières games. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont un momentum de fou et là attention par contre si Azaramba qui arrive à attraper. OK, après on a nos summoners, attention, il y a le petit Karthus qui va être claqué, on va flash out sur Zaremba. Malheureusement, les dégâts de Jin sont beaucoup trop gros et Tilem qui va tomber sous les balles et au nord, le petit sidestep de l'ulti Varus, la barrière qui va être claquée. Est-ce qu'on peut les punir derrière avec Karim? Ça me semble un petit peu compliqué. Attention de ne pas tomber dans une ambiance un peu bizarre. 3 kills sur Jin, 3 kills sur Karthus. Leur domine condition. Là, faut se ressaisir bien vite. Hein. On a l'archange sécurisé. On n'a pas encore vu Kenzuke faire chanter la guitare. Là, faut commencer à jouer avec lui. Je pense qu'il a des arguments pour essayer de retourner cette game. Pleine confiance. Après, si je puis me permettre, il y a. Il y a eu plein de games où on était vraiment à la ramasse en early. Mais frère, quand on arrive en phase de teamfight, on les a fumés, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis quand même pas inquiet. En fait, tant qu'on perd pas les teamfights, moi c'est de perdre les teamfights qui me fait peur. Qu'on se prenne des gants comme ça, frère, Krell, il fasse une engage avec un R de Jin qui est quelque chose qui arrive et tout. Ça, on peut mourir sur ça. Mais ça, attention aux teamfights quoi. Après, merci. Juste moi, c'est ce que je veux te dire, c'est que dis pas on est à la ramasse parce que quand tu regardes les golds, on oui. est toujours à peu près even au gold, tu vois. Oui. On est pas encore loin derrière eux. Mais là, c'est vrai que les plusieurs fights d'affilée où ça se passe mal, ça peut être un peu, ça peut être angoissant. Il y a que Karthus qui est devant. On a récupéré la T1 top. On a récupéré pas mal de plate. La T1 bot, pardon. On a récupéré pas mal de blade au top. Oui, de plate. La roue. Ouais, oh, putain, on a essayé de pré-shot l'ulti out. Malheureusement, ça ne touchera pas. Et allez, on va sécuriser la tour. Et là, comme t'as dit, ouais, c'est vrai que peut-être il y a 3 kills d'avance sur ce Jin. Mais ce Jin, ce Varus, c'est devant en gold. Hein. Tilly, mais très très bien dans sa game en termes de CS, en termes de plate, en termes de tour aussi. Est-ce qu'on peut jouer cette T2? Ça me paraît un peu ambitieux quand même, avec le Malphite qui arrive, mais après on va juste le cover. Ouais, on va juste le cover, attention parce que Malphite il a son ulti qui est up. Et là ça serait une soul Shemtek, c'est pas mal fort ça sur Karthus. Faut qu'on fasse attention là, ils sont 4, ils ont l'ulti. Ok. Ça t'es trop bon ref. Je suis moins serein d'un coup là. On a eu la même réaction. Comme c'est vu le Dashin. Genre tous les deux... Quand on a vu que ça allait pas aller plus loin dans toutes les deux, on a dit ok. Oh. Rassuré. Là, il se regroupe à 5. Attention, il y a l'ulti qui est up. Et oui, au nord, malheureusement. Il s'est pris, oh là là, Erel, dans la mêlée, qui va réussir à attraper 3 personnes. Mais attendez, parce que là, maintenant, vous voyez, on parlait de la marche avant un petit peu de Montpellier. Mais là, est-ce qu'ils ont encore de quoi vraiment faire une marche avant de fou? Peut-être qu'il devrait survivre, peut-être. Hein. Oui, avec le de rien. Il devrait survivre. On perd qu'une personne. On perd qu'une personne, Cécilem, pardon. Ouais, mais Slim il se prend un Z2 Jin, je crois, en fait, qui le route et y'a rien à faire du coup. Hein. On peut juste le regarder mourir. Allez, si il faut. Est-ce que Achat, il faut pas que ce soit nous qui engageons les. Bah, idéalement, on fait un catch avec une arrow 2H, quelque chose du genre Ervarus. Parce que là, si c'est des teamfights 5v5 purs, c'est très 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 dur à gagner. Pour les gagner, faut qu'on soit en avance, mais on a ce rôle lead qu'on avait créé donc. Faut réussir à trouver des catchs maintenant. Oh, quand Karthus était dans la merde, je m'en rappelle. C'était trop bien.
Ça me paraît si loin. Oh là 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 là. Oh là là, le pauvre Sileim. Oh là 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 là. T'as vu leur compo ou pas? Ouais, ouais, c'est marche avant, je te l'ai dit, marche avant là, marche avant, elle fait peur. Hein. Mais je sais pas comment on arrive à être even au gold au vu de la situation dans laquelle. Parce que je te dis la vérité là, pour le moment, ils ont vraiment l'avantage. Mais on est even au gold. On a pris beaucoup au début, ce qui est la force ouais, de notre compo. C'est les play qui a fait ça. Hein. Ouais. Et en late, on s'essouffle? Bah en fait, nous on doit garder notre lead tout le temps. À gold égal, c'est pas simple à jouer. Ok, ouais, là c'est juste, faut attendre. Ouais, là, là, va falloir être meilleur qu'eux. Ok. Et on l'est. Et on l'est. Et on l'est. Attention, on va pas face check s'il te plaît, faut pas être naïf. Ok. Il craint rien normalement. Ouais, mais attention, il y a l'ulti hein, sur les drives, il peut tuer. Il y a pas de combo, on perd beaucoup quand même. Oui. Beaucoup d'HP. On est out hein. On a un red buff, c'est ok. Cette tour ennemie qui va nous embêter, elle va être dure à débloquer. Attention, à Joko hein, qui est là, il a deux items et là il commence à piquer, il commence à piquer. Potent, il est obligé de flash out hein, c'est. Oh la roue, oh, l'appel à roue, l'appel à roue qui a été trouvé sur Honor et non Djokovic, enculé Djoko. Viens là, reviens mourir. Il a dit Djokovic. C'est trop une dinguerie, voilà, c'est trop une dinguerie, frère, il avait 700 gold sur son crâne. Oh, on aurait été tellement heureux, frère. Putain, Macron. Oh, Macron. J'ai trop la haine, frère. Même si c'était H, je les prenais ces 700 gold, je disais oui, attention, par contre, il y a Malphite qui a son ultimate Q qui peut être dangereux. Oh non, on a le flash, on a la barrière. Oh, on aurait été tellement heureux, on aurait été tellement heureux, frère. Oh, il y a Red, il y a Red qui est caché. Oh, attends, l'ex flash, l'ex flash. Allez, on a les sums pour Sileim. Ouais, frère, mais s'il te plaît, elle croit quoi? Regarde les dégâts, s'il te plaît. Faut dodge. Ok, alhamdoulilah, ok. Sileim, je sais pas ce qu'il a fait à Montpellier, mais il le déteste. Frère, il leur doit des sous, c'est un truc de baiser. Putain. Non, c'est chaud, ouais, le catch qu'ils ont, c'est une dinguerie. Hein. Honor qui était prêt à donner sa vie pour Sileim, c'est beau ça. Sur un nouveau exec flash, et là on a l'ulti sur Zaramba. Ouais, attention, Yone. Non, Yone qui va réussir à trouver Kensuke. On a toujours la shockwave qui est up. Heureusement, on va pouvoir sortir. Et Kyo qui alhamdoulilah, n'a pas d'ulti. Sinon, ça aurait été la catastrophe, je vous le dis. Heureusement qu'il l'a pas. Faut back, hein. Faut pas qu'on a plus d'archange sur Rihanna, là le prochain trade comme ça c'est la mort. Putain non mais les dégâts de Karthus frère, les dégâts de ce truc. Parce que pour l'instant en fait on est au mid, on se branle un petit peu tu vois. On l'avait cette T1 en fait, ça nous libère trop de jeu de l'avoir. Après Montpellier nous a toujours pas pris une tour. C'est vrai. Et on gagne les games en avançant sur Nexus, pas en faisant des kills. Bon après tu t'avances plus vite au Nexus quand t'as des kills, mais ouais. Débattable. Par contre attention, Drake dans 30 secondes, on n'a pas envie d'être en full point à 20 minutes de jeu. Ça c'est un truc qui est un peu angoissant et qui est stressant. Là le truc c'est qu'ils peuvent aller au Nexus. Oh oui. Quoi? Ah putain, il y avait la ward. Oh putain. Mais ils peuvent aller au Nash si on veut, frère le Drake. Ils ont un Nash rapide ou pas, Hacha? Oui, très rapide. Ouais, il y a Yod et tout, frère. Yod Karthus. Karim attention, faut pas mourir juste avant le Drake s'il te plaît. Oh, ils nous prennent le flash sur ça frère. Ça va être très très dur le fait qu'il va arriver. Ouais, je pense qu'il faut le laisser hein. Ouais mais tu sais quand t'es en soul point, t'es trop Moi je suis de l'avis de le jouer hein. Ouais je crois qu'on le joue hein. Ok. Ouais non mais oui, parce que en fait après quand il y aura la soul ils pourront trade le Drake contre le Nash et là ce sera vraiment vraiment critique. Ok, il trade ça contre la T1 top, bon, franchement on est content. On a connu pire comme trade ça, on a vraiment connu pire. Ok, est-ce qu'on peut avoir cette T1 mid? Par pitié, je paye pour l'avoir cette T1 frère. Un Herald ça nous aurait mis bien. L'Herald d'ailleurs, personne l'a pris? Non. On l'a eu? On l'a claqué au top? Sous ma gueule. Ah oui si, c'est vrai. Putain mais je l'ai zappé. Bien vu. Ouais mais moi je l'ai sorti de ma tête. On avait pour que la T2 avec, ok c'est bon je m'en rappelle. Oui ok c'est bon. Ouais, voilà je m'en rappelle, c'est bon, ça vient de me revenir. Là, j'ai l'image de lui qui m'a fait oui. Bon, j'étais à un moment de on va forcer, il y a Malphite qui est arrivé même. Ouais. Allez, s'il te plaît, Kensuke. Hey, depuis tout à l'heure, Kensuke, il a plus de 16 minutes, il est en train de full farm, il parle à personne. Mais je crois que Kensuke n'a pas encore claqué son ulti. Hein. Mais si, il l'a mis au moins 3 fois. Ah ouais? Ouais. Vraiment? Oui, non, je te jure. Ah, ok. Oh, il y a Jack Shaw sécurisé sur le vilain je petit Malphite. Je sais pas qu'on va chercher Rabat dans le troisième item sur ce Karthus là. Oh,
crois que c'est bien parti pour. Non, par pitié. Rabadon Weistaff. Par pitié, je ne veux pas. Non, je peux faire fleur de creep, non? Ouais, peut-être. Je sais que ça. Cartier, ça me terrifie, ça. Moi aussi. Le Lyonnais, il commence déjà à être bien stuff. Là, on est parti chercher la beauté RK et là, on commence le. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Par pitié, il nous faut cette thermite. Attends, mais c'est peut-être l'occasion de l'avoir là. Hein. C'est peut-être l'occasion de l'avoir. Il y a Malphite qui est là. Ah, il m'a fait trop peur. Oh, c'est les plans de booster. Aïe. Ah, Malphite, il peut se réjouir de n'importe quel moment. Oh, quand je l'ai vu s'envoler dans ma tête, c'était en mode. Ouais. On d'accord, on a tous la boule au ventre là. Mais j'ai la boule au ventre, moi, j'ai la boule au ventre, frère. Hein, depuis le début, je te l'ai dit. Hein. On peut dire, faut pas les sous-estimer. Hein. Oh, la roque a peut-être touché, malheureusement, non. Après, ça revient vite. Ça revient vite quand tu joues létalité. Il en a plein des arrows, donc faut les tenter. C'est vrai que c'est mieux quand ça touche, quoi. Oh, ça avait déjà un quart du CD, du coup, je pense qu'il doit être à une trentaine de secondes. Attention Kenzuke, oh, attention Kenzuke, ça va être bien joué ça. On a l'archange et le flash, tout va bien, okay. tout va bien. On va peut-être devoir flash, non, ok. Non. Oh, on a TP avec punir, on peut punir, Est-ce qu'on peut le punir? Il a encore l'ulti, ça va être dur de le rattraper. Oh, il va TP. Oh, en force à TP, c'est très bien. Parce que la map est un carry, il serait fait rattraper dans tous les cas. Ok, je crois qu'on l'a vu TP, donc on a l'info. C'est très bien. Oh non. Okay, Karim. Noo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 
me rappelle, je le jouais, j'avais Singed, j'allais dans le Nexus des ennemis, j'allais double, j'allais triple proxy, je mettais un CZ Roth au bot, proxy, je mettais, je portais un proxy sur top et mid, quoi. Oh le visu, oh il se met sur le bord de la plante et il attend. Oui, là, en fait, il est prêt à dash et à ulti. Golem. Regarde-le. C'est parce que là, les gars, là, Cizod, il arrive là, hein. Il a pas vu la ward en bas. Ok, allez, on prie pour un miracle. Allez, s'il vous plaît, Kenzuke. Je sais pas pourquoi Kenzuke, j'ai envie de le sucer, frère. Il va faire un truc. Je sais pas pourquoi je le sens bien là. S'il te plaît, Kenzuke, frère. Allez, allez, c'est bah, difficile. Ok, on la force à tour. Voilà, Ulti Malphite, ok. Déjà la tour qui va tomber. Est-ce qu'on peut survivre? On va mettre beaucoup de dégâts sur Malphite. On va mettre beaucoup de dégâts sur Malphite. On va réussir à tomber Malphite. Il y a Ulti qui est tapé, mais il y a Potent qui tank tout. Potent est en train de tanker Ulti Malphite. C'est super ça. Zareba dans la mêlée. Zareba dans la mêlée. On va le faire tomber. Pour l'instant, Karim, il est en train de tabasser Hydra. Il est en train de tabasser Hydra. Mais niquez-lui sa mère. Mais tuez-le, bordel de merde. Ok, attention, Ulti est mort. C'est mort malheureusement, mais c'est pas grave. Super, c'est pas grave, c'est du 2 pour 1. C'est du 2 pour 1. Est-ce qu'on peut pas faire le nashor? On peut pas le faire. Non. On peut pas le faire. On est trop low là en fait. Ok. On a perdu quoi comme flash? Que celui de Slime, en vrai c'est très très bien. Et en fait. On prend 3 de leurs flash. J'espère que là c'est un déclic pour dire, mais en fait The Beef, non, on se bat, cousin, on est plus fort qu'eux. Parce que depuis tout à l'heure on se tourne autour, tu vois. Là on s'est battu. On les a enculés, frère. Au bout d'un moment, faut arrêter de prendre pour des cons. Regardez Potence. Il miskin là, l'autre, Jean, il voulait tirer sur les potes. Et Potence, il a dit non. Ah non. Là, après, Karim, boum, sur Hydra, frère, toi, on t'encule, frérot. Rel, dégage. Hydra, t'es pas content, frère, on. Pareil. En fait, après, attention à pas prendre la confiance grâce à ce fight là, parce que MHSC, là, dis-toi, ils ont pas réussi à mettre en place le teamfight qu'ils voulaient. Leur but c'est de synchroniser les ultis là. C'est normal, on est plus fort qu'eux pour toi. Voilà, ils arriveront pas, on est plus fort que quoi. Inch'Allah, ils arriveront pas. Mais là, tu vois, les 3 ultis. Rabat dans ce cartus, oh là là. Ils étaient désynchronisés. Alors, il y en a 3 items. Rabat dans ce cartus, les mecs. Par contre, on a. Maintenant que tu. T'as dit qu'on était bloqué tant qu'on avait pas la tour mid. Du coup, maintenant, ouais. Vas-y, maintenant on doit faire quoi maintenant? Là, maintenant, on va push mid. Et on va aller essayer de forcer un Nashor ou trap. En gros, à chaque fois, faut qu'ils aient le doute. Oh. Comme ça, on a Ro. Ouais, on a rien à faire. On pourra pas prendre l'époque. Okay. C'est bien le flash déjà. C'est très très bien. C'est bien. En fait, c'est comme ça. À chaque fois, on va faire ça en boucle. Jusqu'au moment où soit on va tuer un mec, soit on va le forcer à back et on va forcer un Nashor. Ok. Attention, Karthus qui a dans son ulti dans quelques secondes. Karthus qui a pas compris. Karthus qui avait pas compris le principe de flash out une Ro. Il a flash, mais sur la même ligne. Allez, on va commencer ce baron Nashor. Attention, le problème de Karthus c'est que là s'il met un ulti, il peut mettre 2-3 personnes. Ouais, mais attends, hein. Karthus il est loin, Yon il est loin, il y a la TP sur Yvion, on est vu. Ça a l'air chaud là. Okay. Là on force des ultis, on va sortir, on va le recommencer après je pense. Non, faut sortir. On a Starak à proc, Rel qui va essayer. Oh, Yon qui a touché personne avec son ulti. Et Katsuke, qui a son cul. Il a son cul, Karthus. Allez. Allez, y'a tout le monde qui est au HP là, on est 5v3. Il faut le faire tomber, les dégâts de Varus. Les dégâts de Varus qui vont réussir à le. Qui vont mettre des très gros dégâts sur Malphite. On va faire tomber. Jarvan qui va tomber malheureusement, mais ça reste du 3 pour 1. Est-ce qu'on peut pas recommencer ce match? On va TP sur le Nash. Je crois qu'on va le faire. Mais Kenzuke, oh, ouais, Vomer là, okay. Vomer. Kenzuke vient d'un V1, le problème de la game, frère. En 1v1 pur, il est en 0-0-0. Il est niveau 10 cette Kenzuke. Mais frère, il a enculé un Karthus qui avait 3 items. On a fait un beau fight là. Ouais, sur la Nash. Je t'ai dit. Moi je vous l'ai dit, les gars, on fight, on est meilleur qu'on gagne. Putain, non, mais frère, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Et on repasse devant Gold. Go back, Drake. Ok, bon, c'est pas grave, ça change rien, ni ça perd. Il y a un monde où on n'a pas le temps de défendre le Drake. Regardez Kenzuke le vicieux aussi. Attends, moi je regarde Kenzuke cette fois. Parce que là, Yon, regardez l'ulti Yon pendant ce temps, vous. Ok, il en dodge 1. Petit il en dodge 2. Oh là là, il a pas pris un Q-spell. T'es malade, Kenzuke. Hein. Oh là là, Kenzuke il est tellement big, frère. Oh, il est tellement big. On a encore les. Putain, mais il est en 4-0. Ouais. Mais pourquoi il est en 4-0? Je suis con. Il est en 2-0 avant le fight et là il est passé en 4-0. La dernière fois que j'ai vu, il était en 0-0-0. Ok. Ah, moi aussi. Et tu sais qu'il a pris un shutdown de 700 gold d'ailleurs, enfin de 400 gold du coup. Ok, attention, ce fight va être important parce que là les gars c'est l'âme du Drake et l'âme on veut pas la laisser, hein. Surtout que cette âme là elle est forte. Attention à Hydra, hein. Hydra, oh, Hydra il est en flanque. Est-ce qu'on a l'info? Je
pense pas qu'on l'ait, je pense pas qu'on l'ait. Je crois qu'on l'a vu poser la ward, donc on s'en doute. Ouais, j'ai peur de ça. Ok, attention. Ça va partir là, on va manger beaucoup de dégâts. Attention, peut-être là, qu'il va essayer de tanker un petit peu tant qu'il peut. Après, Honor et l'eau, mais en vie. Honor et l'eau en vie, l'ultivarus qui va pas toucher malheureusement. On a l'information sur Hydra. Attention, ultimal fit sur des personnes qui va réussir à link, qui va être follow par l'ultillon. Et pendant ce temps, Karim, quand essaie de mettre le plus de dégâts possible sur Potel, peut-être qu'il va réussir à tuer ce Karim. Kenzuke, j'ai pas vu ce qu'il a fait. J'ai pas vu ce qu'il a fait. Attention, excellente. Attention, Hydra, attention, Hydra, il revient. Ok, ok, on est heal avec la fin de Crips. Et là faut donner le Drake je pense, on peut pas se permettre de compter, c'est un peu compliqué là. Ouais bah y'a encore Yone. En vrai je crois qu'on peut hein. Attends, Sylvain. Je crois qu'on peut pas en fait. Faut juste aller chercher la tour mid là, faut juste aller chercher la tour mid. Attends, après ils ont pas de smite hein, ils ont pas de smite hein. A tout moment ils peuvent réussir la kill. Le ZQ. Ok dommage. 1230 avec une auto. Oh là 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 là. Bah c'est Jin hein. Fallait le tenter. Les fights sont trop durs. Tiens j'ai pas vu ce qu'il a fait Kenzuke, je suis dégoûté. Mettez-moi un replay là. Shockwave de bâtard. Mettez-moi un replay là. Allez, au TP là. Pour gagner des fights, il y a besoin de faire 15 miracles. C'est. Ok, où est-ce qu'il est? Ok, là, c'est bon. Pour moi, le fight était loose. Hein. Tu vois, genre là pour moi, t'es mort. Ici là. Ouais. Pour moi, c'était fini pour nous ça. Je sais même pas comment. Mais comment on revient de ce fight? Peut-être qu'il a zoné Cartus, il l'a one shot. Ah ouais, la Shockwave elle est ben. Ok, ouais, c'est bon, j'ai capté. Je sais pas s'il aurait pas dû Shockwave un peu plus tôt, peut-être, non, Acha? Il était sous Zonia avant, il pouvait pas. Mais genre un poil avant le Zonia, non? Je pense qu'il mourrait sûrement. Je pense qu'il spammait sa touche qui était chaîne CC. Ok. De toute façon, je pense que s'il l'a fait, c'est que. Il, à mon avis, il a la meilleure décision de Baker que moi, Kenzuke. Non, je pense pas. Masterclass, mec. Eh hey, mais il joue pas la game le cartouche, j'ai l'impression ça. À part mettre un ulti, il rentre pas dans les teamfights pour le moment. Mais bon ça suffit franchement pour l'instant, on veut pas plus. C'est ce qu'on veut hein frère, on veut pas qu'il rentre. À chaque fois Poeté et Kenzuki sont là pour le zoner. Le jour où il rentrera, ce sera peut-être un peu plus dangereux pour nous là. Non je pense pas. Bon allez attention, Nashor dans 2 minutes 50 on a le temps. Elder 4 minutes 30, après est-ce que... Qui est l'Elder qui spawn, ça nous met pas un peu bien quand même. Parce que si on l'a. Est-ce qu'on ira jusqu'à l'Elder, c'est la question aussi. Est-ce qu'on va pas essayer d'accélérer avant cet Elder? Parce que là, je te cache pas que pour le récupérer, ça va être très dur. Je pense que tout va sûrement jouer dans 2 minutes 30 au niveau du Nashor. Hein, jusque bah, l'Elder. Oh là, bah, la roue. La roue. Oh par pitié. Puis la roue là, c'est là. Oh, putain, fais chier, merde. On va prendre la T2. La Solaris sur Karim, ça va permettre de tanker un peu l'ulti-Cartus. La quoi? Solaris. Tu confonds mon frère. Solaris là, c'est Lunari poto là. Wesh, t'as connu. Bah oui, j'ai connu frère, j'ai bientôt 30 ans hein. Oh le vieux. C'est une dinguerie de dire cette phrase quand même. Et d'être sérieux en plus. Minute 40. Oh! Wesh! Allez, Rabadon, Fleur de Crypte, Zonia, Archange sur Kenzuke, frère, il fait trop peur. Ils ont toujours pas. Ah si, non, il a atteint 1000, putain, j'ai cru que j'étais fou. Là, on a dans les flashs sur Sileim Kenzuke avant de faire quoi que ce soit, je pense. Et on les aura, je crois, pour le Nashor. Je suis terrifié, je veux plus regarder. Là c'est vrai, en fait pour moi ça va finir sur le match là. Ouais. Tout va jouer maintenant les mecs. Profitez bien. Final, les gars. Profitez bien. Comment ça finira, sachez que je vous aime les frères. Ça. Ah, apparemment. Y'a que toi qui nous aime. Là mettez-vous l'Ouest de Game of Thrones là, dans Endgame. Parce que là c'est maintenant. Hein. Là c'est maintenant les mecs. Hein. Oh y'a pitié, pas un catch avant le match. C'est juste ça qui me terrifie en fait. Là Thanos c'est Cartus et Iron Man c'est. Sans rien là, hein. Attention, Potent, normalement il est large, hein. Il a encore son ulti et tout, Potent, ok, il va claquer l'ulti et je pense qu'on peut le tuer, hein, je pense qu'on. Bah oui, mais y'a plus l'état de tempo, poto, hein, y'a plus l'état de tempo, attention, oh non. C'est qui ça? C'est Karim. C'est pas grave. Oh non, ça c'est grave. Oh c'est grave, hein, oh sûr c'est grave. C'est bon, tu Yone. Ok, on a tué. On perd le smite, c'est ça le truc en fait. Faut surtout là qu'on puisse courir. Ils ont la plante pour venir. Oui, cours vite. Caval, s'il te plaît, Caval, y'a pas de T1, mais okay, y'a Honor qui est là au cas où. Ah, ils vont forcer Nashor.
Ils peuvent, hein. On a pas de smite pour le style. Dans tous les cas, ils ont l'auto de Jean, frère, qui fait 1300. Si ce n'est 1400. Allez, pitié, c'est maintenant, hein. C'est maintenant qu'il faut écrire l'histoire, hein. Maintenant ou jamais. Allez, 1000 HP sur le Nashor, la roue qui va être envoyée, ça va toucher sur Zaramba. Est-ce qu'on peut y aller? L'ulti de Silem qui va link par-dessus, 4000 HP, ça va all-in sur Ken, vu qu'on a l'arc en chez Pro Ken, non? Ça va pas plus lent, malheureusement, Silem qui se fait attraper. Ah, c'est la Dems. C'est pas une fin de game. C'est la Dems. Ils finissent pas, Hacha, hein? Ça va jouer au Drake. Non, ils finissent pas. Okay. Ils vont rien en faire de leur Nash, il y a le Drake, les gars. En fait, le problème, c'est qu'ils peuvent récupérer les prios avant d'aller au Drake, justement, avec ce Nashor. Ça, ils ont 2 minutes où ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas le temps, ils ont 1 minute. Là, faut qu'ils aillent ward. Faut qu'ils vont direct au Drake. En fait, sinon, le truc, c'est que Hydra, il a sa TP, Q, sa TP, donc ils peuvent aller chercher les 2 prios et après venir, tu vois. Et même là, ils peuvent même grid la T2 et aller au Drake. Là, c'est juste nous, faut trop bien jouer là. Surtout qu'ils ont pris un shutdown sur Rihanna, j'ai pas vu qui l'a pris, mais. Allez, pitié, faire l'exploit. Ça, là, faut le dire. Hein. Genre, le fight, il est à leur avantage de baiser. Faut juste faire un exploit de fou. Faut juste surprendre et. Je sais qu'ils en sont capables. De baiser. Attention, juste pas un catch, pitié. Oh là là, c'est tellement délicat la situation dans laquelle on est, frère. J'y crois. Il est déjà sous potion, attention, Karim, tu vas réussir à trouver un bel ulti. On va mettre beaucoup de dégâts, Joko. Il va suivre un HP. Merde là, frère. Oh là là, les dégâts. Putain, mais Joko, ses HP, j'ai envie de pleurer, frère. L'ulti dans les. Sur la Evelyn. Est-ce qu'ils peuvent Elder là-dessus? Je pense que oui. En vrai, là ils ont plus Ulk Arthus, ils ont plus d'ult en fait. Le truc c'est qu'on est vachement low. Ils ont smite. En vrai, eux leur Arthus est low aussi. Oh, excellent. Oh non, putain. Oh non, c'est dégueulasse. Oh les mecs là, pendant 2 minutes on va arrêter de respirer. C'est pas mérité parce que franchement là Karim, en fait Karim il a fait des gourdes, tu vois, des bourdes. Mais là frérot, là, c'était vraiment bien joué et on méritait de le tuer ce Karthus, tu vois ce que je veux dire ou pas? Terrible. Oh là là, donnez l'inhib. Là ça leur donne tellement de trucs, c'est terrible. Ah mais là ils vont prendre les 3. Là ils vont prendre les 3 inhibs. S'ils prennent pas game, ils prennent 3 inhibs là, tu vois. Mais juste faut arrêter de respirer et juste essayer de contenir ça, hein, counter. Là ils sont censés finir, mais on y croit toujours. On peut faire des trucs. On a la rédemption, hein. On a la rédemption sur Karim. On a la shockwave. Ils finissent pas, ok, ils veulent pas finir. Ils veulent pas finir, c'est étonnant quand même. Oh putain. Là ils vont back, elle est top, et ça va être du tower défense maintenant. C'est ça, ils vont prendre les 3 inhibs et bonne chance à nous, apparemment on va avoir full ressources qui vont venir à la base. Le truc c'est je crois qu'on est full stuff sur les carries. J'ai pas vu. Regarde là c'était bien, là c'était vraiment bien tu vois. Là c'était vraiment bien mais il nous manque un poil de dégâts sur Joko et là on tue Joko. Regardez si on tue Joko derrière, ah il y aura peut-être quand même l'ulti, si il y a quand même l'ulti si on tue Joko. Oui, parce que Karthus peut... C'est différent, si Karthus est mort on joue plus pareil. Karthus peut ulti pendant qu'il est mort. Mais c'est différent tu vois parce que du coup le Drake bah ils peuvent pas le jouer de la même manière, ouais. Le fight ils peuvent pas le jouer de la même manière. Même il y a le proc triomphe, je sais pas si il y a la triomphe mais il y a quand même KT, il survit peut-être plus longtemps. Potent il régène des HP tu vois, il y a plein de s'il était mort il se passe plein de trucs. Moi je vous le dis, en scrim je nous ai vu comeback des games plus compliqués que ça. Ça j'y crois jusqu'à la fin, ouais, okay. Pour de vrai. Putain mais le GA sur Yone il va casser la tête aussi hein. Il va arriver. C'est pas fini tant que c'est pas fini. T'as bien raison, Pyro. T'as bien raison. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Nick the Bee, il a raison, frère. Les gars, le Nexus il a pas encore explosé. Mais je te jure, tant que le temps qu'il a pas écrit victoire ou défaite sur l'écran, c'est pas fini, frère. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Attention, on va voir les dégâts. Ça va, ça je va. Te jure, je m'attendais à pire. Oui, ça va. Franchement, ça va. Par contre, là, Potent, il t'est derrière. Potent, il t'est derrière. On va essayer de les enfermer. Attends. Il faut qu'on joue bien. On a trouvé une belle arrow sur Kyo. Il va proxy. Oh, il est trop malin. Allez. En vrai, ça tempo de baiser. C'est trop bien ça. Ça a pas touché. Et du coup, ils ont plus que 3 cacs. Non, TP au bot, prends la prio au bot. Ok, c'est bon. On commence à sortir un peu de cette asphyxie qu'on avait. On ne respirait plus. C'est bien ce qu'ils font. C'est bien en plus. Ils ont quand même une petite wave. Hein. Oui, mais ça se clear avec un QZ de Rihanna. Si elle est. Ah, attends, elle est pas là. On a gagné du temps précieux là. C'est pas grave qu'ils prennent l'inhib, on a gagné du temps précieux.
Allez l'Elder, combien de temps il reste? Combien de temps il reste? C'est bon, c'est fini? Y'a plus d'Elder là, plus d'Elder. Allez, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, on a réussi à bloquer Joko. On a réussi à bloquer Joko, Joko qui va encore subir un HP, il faut réussir à faire tomber Joko. Attention, Honor, Hydra, sur deux personnes. C'est un petit peu compliqué pour l'instant, mais tout le monde a envie. C'est toujours à 5v5, c'est toujours à 5v5. On leur a pété la gueule, ils nous ont pété la gueule. On est tous les deux ensemble, on est tous les deux ensemble. Poutette, Poutette, avec les Tsuke qui vont réussir à faire tomber Zaremba. On en a fait tomber un. Allez, allez, Saslo, Saslo, Saslo. On va faire tomber Kyo. C'est plus Kyo, c'est Kia. Retourne à l'usine, cousin, y'a un défaut de fabrication. Pissier, attention au bot. Attention au bot là pour. Y'a le Nashor dans une minute, y'a le Nashor dans une minute. Ça va nous donner la priorité un petit peu pour le Nashor, peut-être un petit peu. On aura un petit peu ou pas? Je sais pas, frère, on a survécu. Voilà, on a survécu. C'est pas fini tant que c'est pas fini, les mecs. C'est pas fini tant que c'est pas fini. On a survécu, frère. Allez. Les mecs, on l'avait dit, si on survit à leur offensive, à leur hard engage, on est bien avec la hache qui peut permettre de chase, qui peut permettre de permaslow et tout, on est encore in. Si cette game doit durer 1h30, on sera là 1h30, je m'en bats les couilles, frère. Imaginez le stress des coachs là. Non mais frère. Pitié juste pas un tweet des joueurs qui leak, frère. Pitié juste pas ça, là ça me briserait le cœur ça. Oui d'ailleurs, j'espère que je suis la grosse décarrible la dernière fois. Oui. Ok, ok. 43 minutes. On a jamais fait une game aussi longue. Hein. Allez. Y'a Snasher qui va spawn. Il le faut, les mecs. C'est notre ventoline. Ça va nous servir de respirer un peu plus. S'il vous plaît. Y'a pas les ignes qui sont up. Y'a la frio bot qui est en train de. Potent, il est assez tanky. Il devrait avoir du mal quand même. Le one shot, malgré les dégâts. On va réussir à trouver la roue. Mais ça va être QSS par Malphite. What the fuck? Il va aller finir. Ouais, putain, il va. Cartus, il peut cancel tout le back. Finir. Oh putain, on peut même pas back. Si on peut, on peut. Qu'est-ce que c'est, bon, c'est bon. Non, mais genre là, si on voulait back, j'aurais juste fait ça et. Kenzuki, il a réussi à récupérer la position. Kenzuki a récupéré la position. Ça va être un petit peu délicat. Attention, Honor, malheureusement, qui va tomber. Quoique, Honor qui va réussir à flash out. On a réussi à mettre des bons dégâts sur Hydra. Hydra, il faut le faire tomber. Ok, c'est le GA. Il faut le récupérer à la sortie. Ça va être du 1 pour 1. Honor gagne du temps de baiser. Honor gagne trop de temps. Oui, encore Honor. Encore mon petit chat. Encore, oh putain. Ça va être du 1 pour 1. Honor est mort, sûrement, mais en gagnant du temps. Et en plus de ça, nous, on récupère Hydra. Je donne tous les jours Honor contre Yon, tu vois. Enfin, je donne tous les jours H contre Yon, quoi. Ouais. Attends, par contre, on va faire peut-être le GA dans Yelstar qui va prendre. Ok, on va mettre l'ulti. Oh là là, Thomas, frère, y'a Elder Nash en même temps. Achat, c'est quoi qu'il faut favoriser ça? C'est quoi le meilleur des deux? Elder. Bah, okay. Elder tous les jours. Bah, en fait, vu notre situation, j'aurais limite dit Nash, mais en fait, juste pour pouvoir dépush et respirer, mais. Non, mais parce que frère, si jamais t'as l'Elder, t'as pas besoin de dépush parce que tu leur cours dessus. J'ai dit, attention, Karim! Non! C'est pas fini, mais là le problème c'est qu'ils ont snipe. Après, y'a pas Hydra, on est quand même 4v4, on peut gagner un fight en 4v4, tu vois, si jamais on ignore le Drake. Genre, ouais. si on les fight. Si on. Y'a la rose H qui va spawn. Oh, y'a TP Dion, non, 5v4, il faut gagner ce fight en 5v4, ça sera un petit peu compliqué. Potent qui va tanker le monde, Potent, y'a la roue qui va toucher sur Kyo. Attention, ils ont l'Elder, et là c'est la Dumps. Et là c'est la Dumps parce que leurs dégâts vont être colossaux. Silem qui va tomber, peut-être qui va tomber. Là ça nous fait du mal ça. Ça nous fait énormément de mal. Oh putain, j'ai cru Zobby. Kenzuki est en vie, attendez. On a encore. Oh putain, c'est dur. Oh, ça va être dur. C'est très dur. Il y a encore un espoir, tu vois, je vais pas faire le mécou. Il y a encore un petit espoir, on arrive à clear cette wave et on arrive à les forcer à partir au Nash. Ils ont plus d'ulti, ils ont plus. Karim qui respawn. Bah là faut essayer de allez, jusqu'au bout. Ils ont une wave au top, une wave au bot, ils ont pas de wave au mid. S'il te plaît, Kenzuki, est-ce qu'il a un zonia? Il a pas de zonia, Kenzuki. Non, GG. Ah, c'est terrible. GG. Ça y est, c'est bon, finissez Zobby. Inch'Allah, il y a une météorite d'Orion sol.